Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah aujourd'hui, ce sera une petite recette de filet bignon de porc au morir. Donc, pour l'instant, on va déjà hydrater les morilles de Lorraine. Donc voilà des belles morilles que je hydrate avec du lait. Faire une bonne sauce sympathique. Voilà. Alors, au minimum 2 heures, hein, qu'elles reprennent l'humidité, l'odeur du lait. Voilà, on va les laisser 2 heures. Voilà le filet mignon que je vais baigner aussi dans du lait. Voilà. Voilà, comme ça, un peu de coriandre. Quelques heures, et après on verra pour l'étape de la cuisson. On a coupé un petit oignon, un peu d'échalote et un peu de persil. Alors maintenant, on sort les morilles. On les met dans le récipient. Voilà. Voilà. Maintenant, le lait, on va le passer au chinois. Pour enlever les petits grains qu'il peut y avoir encore au fond. Voilà, on va rajouter une cuillère à café de fond de veau. Maintenant, on va ressortir la viande. La mettre sur du papier absorbant. Voilà. Et ce lait, on va le récupérer. On essuie un petit peu la viande. Et on la coupera en morceaux. Donc l'huile est chaude, on va mettre les oignons, les échalotes à dorer. Après, on rajoutera les morceaux de viande. On va attendre que ça dore un peu. Là, maintenant, on peut rajouter les morceaux de viande pour les retirer et après on verra ce que ça donne. Voilà, on les retourne. La viande est rôtie, il n'y a pas de souci. Maintenant, on va rajouter en premier les morilles. Les belles morilles de Lorraine, hein? Suivi de notre jus. Voilà. Du coup, ça ralentit là. Et quelques pommes de terre. Voilà. Et maintenant, un peu de sel. Et un petit peu de poivre. Voilà. Voilà. Et on va recouvrir pour 15 minutes à peu près. Et on baisse
à deux. Ceux qui ont un feu gaz, ben, vous baissez petit peu. Voilà. On sort la viande. Voilà, on a sorti la viande au bout d'une vingtaine de minutes. Maintenant, on rajoute un peu de crème. Alors, on a rajouté quelques petits haricots verts qu'on a cuits à la vapeur. Et voilà, le résultat. Bon appétit! J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, filet mignon de porc au mori avec quelques patates et un peu d'haricots verts. Les ingrédients, bah, je vais vous les marquer dans le descriptif. Et puis, bah, surtout, bon appétit à vous et portez-vous bien. Allez, salut!